ne m'étonne pas tout à fait de Jean-Pierre qu'il ait demandé à Patrice de faire cette aventure-là. Bah, tu vois, Patrice, le fort n'a pas résisté au plaisir de te faire vivre cette aventure. Je ne vois rien, Jean-Pierre. Comment ça, tu ne vois rien? Mais moi, je t'explique. Ah bon. Celle que tu vas vivre, c'était une de tes favorites. Oui, en fait, t'aimais beaucoup la faire vivre aux autres. Hein, elle t'amusait beaucoup. Oui, bah, je crois que c'est pour toi. N'oublie pas, petit indice, n'oublie pas que toi, tu dois les lire, les indices. Et les communiquer dehors, d'accord? D'accord. Ouais, hein, c'est Sandrine qui va expliquer dehors les indices. Je connais le principe. Tu connais le principe, ouais. On peut y aller? Alors, cette aventure-là est une aventure vraiment très compliquée. Je vais vous expliquer. Il va devoir, il va se retrouver quasiment là, dans le noir. Il va devoir progresser dans des endroits où il y a des tas de bestioles. Il va devoir boire de l'eau, etc. Chaque fois qu'il arrivera à trouver un mot, il va nous le crier. Mmh. Et il faudra ici, peut-être Sophie, tu peux le faire, rayer, tu vois. Chacun des mots, donc c'est un procédé par élimination. Celui qui reste, c'est évidemment le mot qui vous permettra d'associer. Non, Sophie, laisse faire Patrice maintenant, parce que là, tu vas t'embrouiller avec tous les mots. J'y vais. Ça va être extrêmement difficile, donc il faut vraiment l'encourager. Regardez, là, c'est la première. Le mot est sur la droite. Vas-y. Quoi? Comment je fais là pour le prendre? Je le vois pas, la liste. Ah, je le vois pas, merde. Chabaillon. Oui. Alors vas-y, Ray Chabaillon. C'est bien. Oui, oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors là, regardez, il y a les sauterelles, les petits souffles. Là, il est obligé de souffler, vous allez voir que souffle, c'est une petite lune. Allez, cliquez. Ah là là, il a des sauterelles qui lui rentrent. Écoutez, écoutez. Tu l'as? Allez, Patrice. Allez, Patrice, allez. Allez. Doucement, doucement. Doucement, le mot. Sablier. 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 Oui, oui. C'est bon. Oh la saloperie! Alors là, tu vois, il doit boire le liquide. Ce truc, là, avec la bicette qui est là. Oh là 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 là. Oh! Alors? C'est une recette charentaise. On ne peut pas le lire, c'est trop petit! Hein? Quoi? Ça. On ne peut pas le lire! Quoi? Oh la vache! Je peux pas lire, c'est trop petit. Je suis désolé. Oh la vache, les bouches. On le voit, nous, c'est bon. C'est bon, allez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Patrice. On l'a vu, on l'a vu. On l'a vu, avant. Je suis désolé. C'est bon. Je suis désolé, j'en peux pas, j'ai avalé une mouche en plus. J'en peux plus. Il a avalé. Bon, allez. Il y a un truc qui était beaucoup trop petit, je pouvais pas le dire. Attendez, c'est quoi? Il vous reste deux mots, là. Il y en avait un long qu'on a aperçu, hein, sur le parcours. Donc, la vache. Il s'abordage. Il reste sabre et sable. Et sable. Alors, bon, attends. Alors, on a eau. On a eau. Carte. On a carte. Ouais, c'est bon. Océan. Oui! Non, on a carte, navire. Navire. Et là, sable, et sable. Ou sabordage. Ou sabre. Alors, on a. Le lot. On avait proposé. On réfléchit. On a proposé océan. Ouais. On a proposé plan. Plan. On a proposé dame, pour dame de nage. Ouais. Et Philippe nous a donné tout à l'heure, à la réflexion, lorsqu'on était là, en train là. Il y a une idée de Philippe qui me paraît très intéressante, c'est château. Pourquoi château d'eau. Le château du navire. Le château du navire, c'est l'endroit où se tient le capitaine, le commandant. Voilà. Château du navire, c'est la partie la plus haute d'un navire. Voilà. Château de carte et château de sable. Vous savez quoi? On va gagner du temps si on se retrouve devant la salle du trésor. Vous allez réfléchir devant.